1575 est une année cruciale pour Venise. La ville se croit encore puissante et respectée, mais un enchaînement de revers et d'infortunes va dissiper ses illusions. Cette période tourmentée se distingue par une effervescence, une fièvre créatrice qui en font un moment d'exception dans une histoire déjà singulière. Quand cette histoire commence, un peu avant 1575, on ne connaît pas d'État plus riche que la République de Venise. Venise est riche parce que ses habitants en ont fait la première place marchande du monde, une sorte de gigantesque entrepôt où des intermédiaires de toutes les nations viennent s'approvisionner et faire des affaires. Allemands, Slaves, Turcs, tous les peuples se croisent dans un mouvement constant, mêlant les affaires au plaisir. L'argent afflue, passant de main en main, parfois détourné, souvent dilapidé. Ces visiteurs sont transportés dans un univers étrange, sans égal, qui tranche avec la rudesse de leur propre monde. On regarde, on admire, et l'on se dit qu'ici, la vie est belle et différente. La République ne se contente pas d'être riche, elle le met en scène en utilisant la force des images. La beauté exprime la puissance, et les Vénitiens dépensent sans compter pour embellir leur ville. Les peintres qu'ils engagent, Titien, Tintoret, Véronèse, créent un décor unique qui célèbre la gloire de Venise. Ainsi, trois des plus grands peintres que l'histoire ait connus se retrouvent dans une même ville, retenus par l'importance des commandes. Cette concentration étonnante donne la mesure de la grandeur de Venise. La puissance d'une cité se reconnaît à l'attrait qu'elle exerce. Voici Titien, tel qu'il se voit, le visage volontaire, les mains puissantes, à peine ébauchées. Il pose avec orgueil, fier d'être l'artiste le plus célèbre d'Europe. Le roi d'Espagne, Philippe II, en a fait son peintre attitré et lui parle en ami. En 1575, Titien a sans doute plus de 85 ans. Il arrive au bout d'une très longue carrière et la proximité de la mort en fait un homme libre, imprévisible. Véronèse est d'une autre génération. Il a 47 ans. Il est le fils d'un tailleur de pierre de Vérone, d'où il tire son nom. Il peint pour des couvents ou des églises, comme San Sebastiano, où il travaillera pendant près de 20 ans. Mais Véronèse est avant tout sollicitée par l'aristocratie vénitienne, qu'il apprécie pour l'éclat des couleurs, la douceur des contours, la sensualité des femmes. «
Titien l'estime et le protège. Peut-être voit-il en lui un successeur. Véronèse et Tintoret ont approximativement le même âge, une notoriété sensiblement égale, mais tout les oppose. Tintoret s'irrite des succès de Véronèse et se plaint d'être injustement déprécié. Il est impulsif, vindicatif, et ce caractère mordant se retrouve dans sa peinture. En trois coups de pinceau, il donne vie à la matière. Ce fils de teinturier est dévoré par l'ambition. Il veut peindre à tout prix, frapper fort et imposer son talent. Son absence de scrupules, sa rage de réussir le rendent odieux. Titien, qui s'en agace, gêne la carrière de son jeune rival dès qu'il en a l'occasion. Venise est une ville née dans l'eau, fondée sur la boue d'une lagune et condamnée par la nature. La mer ronge les fondations, elle disloque, elle désagrège en permanence. C'est donc un miracle si la ville survit. Les Vénitiens l'interprètent comme le signe d'un lien privilégié qui les unit à Dieu. Ils se considèrent comme un peuple élu, au destin hors du commun. C'est Dieu encore qui a donné la mer aux Vénitiens pour en faire l'instrument de leur puissance. Leurs navires traversent la Méditerranée jusqu'en Orient, sur les terres du sultan ottoman, le plus grand souverain du monde. Pour les chrétiens, le sultan est le chef des infidèles, l'ennemi du Christ. C'est donc en territoire hostile que les Vénitiens vont chercher de la soie, des perles, des parfums et par-dessus tout, le poivre et les épices venus de l'Asie lointaine. Il leur faut composer, négocier avec une prudence, une vigilance de tous les instants. Mais les profits sont considérables, à la hauteur des risques qu'ils prennent. Cet argent si âprement gagné, les marchands l'investissent dans des portraits qui célèbrent leur gloire. Devant Véronèse, ils posent, sûrs d'eux-mêmes, conscients de leur valeur, le visage fermé, le regard dur. Ces hommes cupides ont pourtant un idéal commun. Ils font passer la gloire de Venise avant leurs propres intérêts. Le patriotisme est chez eux encore plus vif que le goût de l'argent. Et ils mettent un point d'honneur à servir l'État. Ainsi, Sebastiano Venier fut amiral avant d'être doge. Tintoret le représente portant sur sa cuirasse le manteau réservé au chef de l'État. Les marchands sont les maîtres de la ville. Ce sont eux qui tiennent le pouvoir. Venise est une république. Les décisions sont prises collectivement, en assemblée. Mais ce régime n'a rien de démocratique.
l'État est dans les mains d'un petit groupe de marchands qui se transmettent le pouvoir de père en fils. ...150 familles accaparent la puissance politique. C'est dans ce groupe étroit que sont choisis les magistrats qui dirigent l'État, et cela inclut naturellement le doge, le chef élu de la République, l'incarnation du pouvoir souverain. Les peintres évoquent cette réalité politique. Dans ce tableau de Tintoret, la Vierge est entourée par les protecteurs de Venise. Saint Sébastien, Saint Théodore et Saint Marc. L'évangéliste présente à la Mère du Christ des nobles issus de grandes dynasties marchandes. La robe rouge qui les enveloppe est le signe distinctif des grands dignitaires de l'État. À l'extrémité du tableau, des hommes en noir se tiennent à l'écart. Excentré, respectueux. Les nobles ont été élus trésoriers. Ils sont en quelque sorte les ministres des finances. Leur tâche est écrasante, mais ils peuvent compter sur le soutien de leurs secrétaires, les hommes en noir, dont la compétence est soulignée par le sac rebondi qu'ils déposent au pied de la Vierge. Ces fonctionnaires dévoués occupent un rang inférieur. Quel que soit leur mérite, ils n'ont aucune chance d'accéder à la noblesse et donc au pouvoir. Les trésoriers et leurs secrétaires s'inclinent dans un mouvement symétrique. La similitude des attitudes souligne l'harmonie qui règne entre maître et subalterne. Le message est clair. La prospérité de Venise passe par l'union de tous, puissants ou misérables. Cet idéal de concorde s'impose dans une ville entièrement vouée au commerce. Sans travailleurs dociles, les navires resteraient à quai, les marchandises pourriraient dans les cales et la ville dépérirait. La paix sociale est donc indispensable à la bonne marche des affaires. Les marchands l'obtiennent en redistribuant une part des richesses. À Venise, le peuple ne s'est jamais révolté. Et c'est une exception dans l'histoire des villes. Si Venise est connue pour son bon gouvernement, elle est aussi réputée pour sa vie libre et dissolue. On peut craindre Dieu, révérer la Vierge, et dans le même temps aimer les femmes, aimer en jouir. Les mêmes qui se faisaient peindre prosternés devant la Mère du Christ commandent des œuvres érotiques. Inspiré de la mythologie. Les peintres vénitiens et leurs commanditaires rêvent d'un monde où la volupté, la jouissance seraient célébrées comme elles l'étaient dans l'Antiquité.
Véronèse représente Vénus tenant sur ses genoux son amant endormi. Cupidon retient le chien qui veut réveiller son maître. La déesse semble inquiète. Adonis, l'homme qu'elle aime, préfère la chasse à l'amour. À son réveil, il l'abandonnera et Vénus retarde cet instant autant qu'elle peut. Cette cruauté de l'amour déçu, Titien la met en scène dans La Nymphe et le Berger. Perdus dans un monde dévasté, les deux amants restent seuls. Indifférente, la nymphe tourne le dos à son compagnon. Ses yeux noirs qui nous fixent contiennent une menace. Cette créature provocante, couchée sur une peau de panthère, est le dernier hommage d'un très vieil homme à la beauté des femmes. Pour saisir la beauté d'un corps, il faut en connaître la morphologie. Les peintres s'inspirent des hommes de science qui explorent l'organisme humain. Les médecins vénitiens étudient le rôle des muscles. Ils cherchent à comprendre le mécanisme de la marche ou le vol des oiseaux. Ils s'interrogent sur le mouvement du sang, sa distribution dans le corps. Quelle est cette force qui le fait remonter du bas vers le haut? Certains disent que c'est le cœur, mais rien ne le démontre. Dans cet amphithéâtre, le médecin Fabrici d'Acquapendente enseignait l'anatomie. Parmi ses élèves, on trouvait un jeune Anglais du nom de William Harvey qui assistait aux dissections depuis les galeries. Plus tard, lorsqu'il rentrera en Angleterre, Harvey démontrera que le sang parcourt d'un mouvement circulaire le corps tout entier et que le cœur, nullement passif comme on le pensait jusque-là, est le moteur de ce mouvement. Les leçons d'Acquapendente lui serviront à découvrir le mécanisme de la circulation sanguine. Les médecins, les peintres, sont entraînés par un élan, un mouvement qu'on appelle l'humanisme. En Italie, depuis plus d'un siècle, des hommes audacieux ont décidé de rompre avec les temps qui précèdent. Ce Moyen-Âge qu'ils voient comme une période obscure, où les hommes vivaient humiliés, où leur corps inspirait de la honte. Retrouvant l'Antiquité, en retournant aux sources de la beauté et du savoir, les hommes de la Renaissance, les humanistes, expriment une dignité nouvelle. Ils affirment leur grandeur, leur génie, la puissance de leur création. Retrouver l'Antiquité, c'est renouer avec une civilisation que les barbares avaient interrompue en détruisant Rome. C'est renouer avec l'esprit des anciens, leur sens de la grandeur, en reprenant des règles, des modèles qui avaient fait la gloire de leur civilisation. Venise, qui se voit comme une nouvelle Rome, invente un décor à la hauteur de ses prétentions.
Lorsque Andrea Palladio dessine les plans de l'église San Giorgio Maggiore, il emprunte la rigueur, la clarté des architectes romains. Par des lignes pures, des volumes géométriques, il donne à ses constructions une solennité, une puissance qui sont le reflet des ambitions de Venise. Il faut au grand peuple des monuments à leur dimension. Ce goût de l'antique, ce sens de l'équilibre, de l'harmonie, se retrouve dans la peinture de Véronèse. Véronèse est souvent présenté comme le peintre des fêtes, du plaisir. On vante son goût pour la richesse des décors, l'élégance des costumes. On le prend volontiers pour un peintre purement décoratif. Et ce tableau, qui représente le dernier repas du Christ, semble accréditer cette vision. Une loggia élégante abrite les convives. Les arcades s'ouvrent sur une toile de fond. Au premier plan, une sorte d'avant-scène à laquelle on accède par des escaliers. Cet agencement fait penser à un décor de théâtre. Le Christ apparaît au centre d'une foule compacte où se mêlent d'étranges personnages. Un bouffon défend son perroquet contre les agaceries d'un négrillon. Des hallebardiers vêtus à l'allemande s'en vont prendre leur service. Plus loin, un serviteur se retire parce qu'il saigne du nez. Trois mois après avoir achevé le tableau, Véronèse est convoqué devant le tribunal de l'Inquisition. Cette convocation s'explique par la crise qui obsède le XVIe siècle. Martin Luther s'est rebellé contre l'Église. Les idées de réforme se propagent et des guerres de religion déchirent une grande partie de l'Europe. L'Église catholique réagit en redéfinissant sa propre doctrine, en imposant sa discipline. Voilà pourquoi les inquisiteurs s'en prennent à Véronèse. Ils lui tiennent le discours suivant. Vous savez qu'en Allemagne et en d'autres lieux infectés d'hérésie, ils ont coutume, avec leurs peintures obscènes, de tourner en ridicule la Sainte Église catholique pour enseigner la fausse doctrine aux gens ignorants. Pourquoi avoir peint des bouffons, des Allemands ivres et autres niaiseries ? Véronèse fait observer que les personnages extérieurs à l'Évangile se tiennent à l'écart. Ils occupent l'avant-scène, relié à notre propre monde par des marches d'escalier. C'est l'espace profane. Tandis que l'arc central encadre le groupe formé par Jésus et ses disciples préférés. C'est l'espace sacré, celui de l'Évangile. La loggia ressemble aux arcs de triomphe qu'on élevait à la gloire d'un grand personnage. C'est bien le triomphe du Christ qui est mis en scène. Et la foi de Véronèse est sincère. Mais le peintre est condamné. Et les juges lui ordonnent de corriger le tableau. Véronèse se contente d'en changer le titre en le nommant d'après un épisode de l'Évangile selon saint Luc, où il est dit qu'un certain Lévi donna un repas en l'honneur de Jésus.
Lorsque Tintoret, le rival de Véronèse, imagine de son côté le dernier repas du Christ, il choisit des couleurs atténuées, sombres. Ce n'est plus une loggia de marbre qui accueille le Christ, mais une salle d'auberge encrassée par la fumée. Au premier plan, deux mendiants et un chien remplacent les bouffons et les Allemands. Il existe pourtant un point commun. Comme Véronèse, Tintoret distingue deux espaces, l'un sacré et l'autre profane, reliés par un escalier. De nouveau, nous sommes invités à gravir les marches pour rejoindre le Christ et revivre en imagination cet instant unique. La présence des mendiants, le pain et l'eau disposés sur les marches, ont un lien direct avec le lieu qui accueille le tableau, la Scuola San Rocco. Une scuola, c'est une institution charitable qui assiste les indigents. Si l'on a faim, on reçoit du pain. Si l'on est malade, on est soigné. La charité est une vertu, et les riches espèrent bien sauver leur âme en aidant les pauvres. C'est aussi une nécessité. La misère pousse à la révolte, et la révolte conduit à la ruine de l'État. Ces sociétés d'entraide jouent donc un rôle essentiel. Et la Scuola San Rocco qu'on aperçoit en contrebas est la plus importante, la plus influente de toutes. Cette prépondérance, la Scuola veut l'afficher aux yeux de tous en décorant ses murs. La commande est considérable et les peintres sont invités à soumettre un projet. C'est Tintoret qui remporte le concours, au grand dépit de Véronèse qui espérait bien être choisie. Il serait cependant injuste de limiter l'ambition de Tintoret à l'argent ou au prestige qu'il tire de ce succès. Peindre est un acte de piété. Une piété sincère, exigeante. Une foi simple, guidée par l'amour du Christ qui s'est sacrifié sur la croix pour nous sauver. Dans l'Évangile, le Christ est crucifié par des soldats romains et les témoins du supplice sont juifs. Dans le tableau de Tintoret, la plupart des spectateurs portent des costumes ottomans. Ce ne sont pas des orientaux de fantaisie, mais de vrais Turcs. Ils prennent ici la place des juifs. Ils sont présentés comme des ennemis du Christ, des infidèles qui refusent sa parole. En 1570, les armées du sultan ont débarqué à Chypre, propriété de Venise. Les Turcs étaient convaincus que la République céderait sans combattre. Les Vénitiens ont toujours préféré négocier pour préserver leurs intérêts. Et les Ottomans, en contrôlant la route des épices,
les tiennent sous leur coupe. Cette fois, la République est décidée à lutter. Seule, elle ne peut rien. Pour récupérer son bien, il lui faut s'allier à d'autres géants. L'Espagne de Philippe II et la papauté, qui comptent bien profiter de l'occasion pour soumettre Venise. En 1571, les navires espagnols et les galères du pape se joignent aux Vénitiens pour combattre les Turcs. Les deux flottes se rencontrent au large de la ville de Lépante, dans le golfe de Corinthe. 500 navires, 100 000 hommes s'affrontent. La mer est rouge de sang. À la fin de la journée, il ne reste plus rien de la flotte des Ottomans. Dans toute l'Europe, on célèbre la victoire. Lépante est un signe de Dieu. Mais Venise est exsangue. La guerre a ruiné son économie et la population est affamée. Abandonnant ses alliés et les intérêts de la chrétienté, Venise négocie avec le sultan. Elle renonce à Chypre et les Turcs, en échange, acceptent la reprise du commerce. En attendant, la misère est là. Et Titien lui-même s'en plaint dans une lettre qu'il adresse à son principal commanditaire, le roi d'Espagne. Le peintre parle des calamités des temps présents, où chacun souffre, des calamités qui l'obligent à réclamer au roi l'argent qui lui est dû. Je ne sais comment trouver les moyens de vivre en cette extrême vieillesse qui s'écoule entièrement au service de votre majesté, sans avoir reçu depuis 18 ans un seul denier en paiement des peintures que lui a envoyées son serviteur. Et pourtant, les difficultés matérielles et les fatigues de l'âge semblent n'avoir aucune prise sur le vieil homme. Au contraire, il peint comme il n'a jamais peint. Ses amis s'inquiètent, ses clients s'étonnent, il se passe des choses étranges dans son atelier. On sent comme une exaspération, un défi. À l'approche de la mort, Titien peint dans une liberté absolue, projetant de la couleur à grands coups de pinceau. Puis il retourne les tableaux, dos au mur, et les oublie. Quand il reprenait ses toiles, rapporte un témoin, il les examinait comme si c'était des ennemis mortels. Puis il recouvrait progressivement de chair vivante ce squelette nu, repassant dessus jusqu'à ce qu'il ne manque que la respiration même. Dans les derniers stades, il peignait davantage avec ses doigts qu'avec le pinceau. Et Titien faisait remarquer que lui aussi, en donnant forme à ce corps humain, il le façonnait à la main dans la glaise, comme Dieu quand il a créé l'homme. Titien le sait pourtant. Les dieux punissent les audacieux qui les défient. Il ne dit rien d'autre dans le supplice de Marsyas,
le plus cruel de ses tableaux. Marsyas tirait de sa flûte des sons si mélodieux qu'il défia Apollon, le dieu de la musique. On demanda à Midas, roi de Phrygie, de désigner le vainqueur, et ce fut Marsyas qui l'emporta. Apollon, furieux, écorcha vif celui qui avait osé le vaincre. Ce n'est pas l'audace de Marsyas que punit Apollon, mais son excès d'ambition. Il n'est pas acceptable qu'un humain surpasse un dieu. C'est tout l'ordre du monde qui en serait renversé. Les traits de Midas ressemblent à s'y méprendre à ceux de Titien. L'artiste se représente méditant sur la condition humaine. L'humanisme a voulu affirmer la dignité de l'homme, sa grandeur. Mais jusqu'où l'homme peut-il s'élever sans provoquer la colère de Dieu? Qui peut lui signifier la frontière à ne pas franchir? Titien peint le supplice de Marsyas dans une ambiance dramatique. Une menace pèse contre laquelle se brise l'espérance des hommes. Cette menace, c'est la peste. Elle frappe Venise en 1575. La peste, c'est une mort fatale qui tombe du ciel. Aucun remède, aucun médecin ne saurait en avoir raison. Dieu, dans sa colère, punit les hommes pour s'être détournés de lui. Il n'y a rien à faire, sinon attendre que le mal se consume lui-même. Les cadavres pourrissent dans les maisons abandonnées. Les tombes déversent des corps puants. Il n'y a plus d'amour, plus de compassion, mais de la crainte et de l'horreur. La prière et le repentir sont l'unique voie du salut. La ville entière confesse ses fautes et crie pardon. En 1576, Titien meurt, sans que l'on sache si la peste est responsable de sa mort. Dans l'atelier abandonné, on retrouve quelques toiles, dont l'immense Pietà, qui devait décorer le tombeau du peintre. Marie-Madeleine jaillit du tableau comme un ouragan. Elle paraît hors d'elle-même, égarée par la douleur, révoltée par ce scandale inouï d'un dieu crucifié qui gît sur les genoux de sa mère. L'homme nu et repentant qui soutient le corps du Christ, c'est Titien lui-même. Après avoir tout vécu, tout osé, le vieil homme revient à l'essentiel et se rapproche de Dieu.
au chagrin d'une mère, au corps livide de son fils, à la détresse de Marie-Madeleine, s'ajoute l'atmosphère surnaturelle qui imprègne le tableau. Des statues de pierre s'animent. Des lions menacent en silence dans une lumière funèbre. La douleur et l'angoisse exprimées par Titien sont le lot commun des Vénitiens, accablés par 6 années de malheur continu. La guerre et la peste ont frappé Venise quand elle se croyait au sommet de la gloire. Jamais la ville n'avait été plus riche, plus peuplée, tout lui souriait. Et voilà que tout se défait. Comment comprendre ce revirement? Pourquoi Dieu est-il si irrité? Veut-il punir Venise pour avoir traité avec le sultan? N'est-il pas temps d'adopter une attitude moins insolente, plus conciliante, de rabattre cet orgueil, ce goût forcené pour l'indépendance? Les malheurs s'enchaînent, et Venise n'est pas au bout de ses peines. Les flammes ravagent le palais des Doges en 1577, quelques mois seulement après la fin de l'épidémie. Symbole de la puissance vénitienne est détruit. D'autres auraient sans doute baissé les bras, vaincus par cette accumulation de cataclysmes. Mais les Vénitiens ne renoncent pas. Le palais est reconstruit à l'identique. Véronèse et Tintoret sont appelés pour décorer les nouvelles salles et leurs peintures célèbrent à nouveau la gloire de Venise. Semble être rentré dans l'ordre et Venise pourrait croire que la vie a repris son cours normal. Mais combien de temps encore pourra-t-elle s'aveugler sur la nature de sa gloire? Véronèse, dans une immense toile qui surmonte le trône du Doge, met une dernière fois en scène le triomphe de Venise. Au-dessus des tours et des villes, une matrone blonde incarne la ville. Le personnage ailé qui lui présente une couronne symbolise la victoire. Assis sur un nuage, l'honneur, la paix, la sécurité, la félicité, l'abondance et la liberté lui rendent hommage. À l'étage inférieur, on trouve des Vénitiens de toutes conditions, nobles ou simples ouvriers, unis et solidaires. En bas, la puissance militaire, la force qui fonde la prospérité.
La République a toujours privilégié la paix, mais elle sait encore mordre s'il le faut. C'est ainsi que Venise se voit, libre, triomphante et heureuse, toujours victorieuse, jamais dominée, trouvant immanquablement une solution à son avantage quand la situation paraît désespérée. Mais au fond, le cœur n'y est plus. Quelque chose s'est brisé. Le monde a changé, et si Venise triomphe, ce n'est plus qu'en image. Les cœurs aussi ont changé. À l'approche de la mort, Tintoret et Véronèse se laissent gagner par la mélancolie, comme Titien quelques années plus tôt. Ils délaissent les commandes officielles pour des œuvres plus spirituelles et se rapprochent de Dieu. Dans le dernier tableau qu'il peint avant de mourir, Véronèse représente la conversion de Pantaléon, un médecin de la Rome antique. Le Romain se donne au Dieu des chrétiens dans l'espoir qu'il sauve un enfant agonisant. Le jeune garçon est soutenu par le prêtre qui a commandé le tableau. L'assistant du médecin présente une boîte à remèdes, mais son maître préfère s'en remettre à Dieu. L'ange, qui descend du ciel, tend la palme du martyr. En choisissant la foi chrétienne, le médecin romain choisit la mort. La lumière est devenue sourde, crépusculaire. Les colonnes, les marbres antiques ont disparu. Il ne reste qu'une statue dans un coin de mur. Sans doute un portrait d'Esculape, le dieu païen de la médecine, dont le torse sans bras souligne l'impuissance. La science des hommes ne peut rien face à la mort. Seule la foi sauve. Véronèse meurt en 1588. Tintoret disparaît 6 ans plus tard, en 1594. Et leur mort coïncide avec la fin d'un âge d'or. Les navires vénitiens sont pris d'assaut par des pirates à la solde des Turcs et les échanges avec l'Orient déclinent. Les marchands ne contrôlent plus le commerce du poivre. Ils sont évincés par les Hollandais qui vont directement chercher les épices dans les îles de la Sonde. Pourquoi risquer son argent dans des entreprises aussi hasardeuses quand on peut tranquillement s'enrichir en cultivant du blé ? Les nobles vénitiens se retirent dans des villas confortables, sur la terre ferme. Ils abandonnent le commerce, plaçant leur fortune dans les campagnes, et cette manière de vivre leur semble plus noble, plus conforme à leur qualité d'aristocrate. Renonçant à la mer, Venise abandonne ses rêves de grandeur. La cité reste prospère, mais l'essentiel des affaires du monde se traite ailleurs, à Amsterdam ou bien à Londres.
Est-ce parce que Venise se résigne à n'être plus qu'une cité de second rang qu'elle n'attire plus les ambitieux? Ce qui est certain, c'est que les grands peintres ne reviendront pas avant longtemps.